Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur la whole stream. Et du coup aujourd'hui on va s'acheter les moutons. En tout cas on va commencer. Donc du coup le point d'achat est ici. Et du coup on donne à bouffer ici. Je suppose qu'ils n'ont pas le droit de chier comme d'habitude. Ça ne change pas. Et donc du coup pour le prix, il y a un assez gros prix. Avec un endroit où ils peuvent boire, etc. etc. Alors je suppose que... Effectivement, il y a des auges. Parce que comme on n'a pas besoin de leur donner à boire, en toute logique, j'aurais plus vu le point d'eau ici, du coup. Mais du coup, il a mis des auges. Bon, c'est pas le problème. Hein. C'est pas un souci. Et du coup, la laine va spawn, je suppose. Là, voilà. Ok. Bon, on va s'en acheter quelques-uns. Pas non plus une brouette, mais quelques-uns quand même. Alors, je ne sais pas quoi prendre. D'habitude, je prends des blancs. Donc c'est jusqu'à 100 où je prends des blancs comme d'habitude hein. Et puis c'est tout. Alors du coup on en vendra en cours de route quand on aura trop. On a combien? On a 4600, c'est tout? Ah mais j'ai pris les plus petits. Donc c'est ceux-là. Ok. Mais c'est pas possible hein. Espèce de sac. Je suis un singe. Bon, on va s'en acheter 30. Ça sera déjà pas mal quand même. Et voilà. Ok. Du coup, la bouffe, c'est quoi? Je me rappelle plus. C'est foin, herbe. Ou foin, ou herbe. Ou les deux. Herbe. Mais je crois que ça marche avec le foin. Ah, du coup, le faude, il est où le faude? Il est où le faude? Puis je ne sais pas ce que j'ai branlé des masses. Là, il y en a une là. Ok. Le pickbot, il est je ne sais pas où. C'est pour Grove. Ça va le faire. Alors, attendez. Le Ford. Alors, j'ai pas retouché depuis hier. Oui, puisque j'ai même pas eu le temps de jouer beaucoup en fin de compte. J'aime pas jouer du tout. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait une mission. Après avoir acheté le Ford, etc. etc. On a commencé une mission. Donc, Chris avance un peu dessus. Et moi, je l'ai fini. Et du coup, bah, c'est tout ce qu'on a fait, je crois. Putain, ça pète comme ça. Je trouve ça un peu. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est du foin. C'est du foin ou c'est pas du foin ça? Parce que là, c'est Chris qui a dû me ramener ça. C'est de l'herbe. Ah bah c'est pas grave, ça va aller pareil. Est-ce que je peux en prendre deux, vous croyez? Ou je vais me faire couillonner et je vais lever du huc. Mais c'est sympa au chargeur quand même. Après, j'ai mis un tout petit chargeur, j'ai mis le plus petit, mais je pourrais mettre plus gros, hein. On verra plus tard. On verra plus tard, on verra plus tard. Ah, il passe les vitesses. Ah, pas tous les coups. Ah oui, il passe les vitesses. Peut-être pas tous les coups. Faut le temps que l'animation reset, je pense. Mais en tout cas, l'idée, c'est un peu... C'est juste, hein. C'est juste, c'est juste. Alors, mon petit... C'est le noir. Il y a 12 000 litres. Bah, c'est déjà plein. C'est déjà plein. C'est déjà plein. Ok, 11 500 litres. Il reste combien? 511 litres dans la botte. Bah voilà. C'est vrai que les moutons, c'est quand même le plus simple à faire. Hein. On va pas se le cacher. Alors je crois que j'avais les vaches à nettoyer. Un petit coup. Et après, on aura de la moisson. De la moisson, de la moisson. Alors moi, je me tourne la vidéo jeudi soir. Je sais plus si je peux passer par là. Ouais, bah yes. Moi je vous tourne la vidéo jeudi soir parce qu'il y a de fortes probabilités que demain, mis à part s'ils annoncent de l'eau, mais là c'est encore mal parti. Tiens, je vais regarder en même temps que je suis avec vous. Hop, le temps que je retourne au Tagazu. C'est incroyable, il veut pas pleuvoir. Il a tombé 1 mm ce matin et c'est tout. C'est sec, sec comme ma bite. Ouais. Ouais, on va dire des orages quoi. Zermi. Il faut qu'il pleuve, bordel de huc. Vous avez quel temps, vous, chez vous, en ce moment? J'espère qu'il y en a qui ont plus de chance que moi et qui ont de la faute. Par contre, j'ai vu, c'est où? C'est en Dordogne. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes là-bas. Apparemment, il y a eu de la casse. À cause de la grêle. J'espère que ça va aller, malgré tout. Mais apparemment, il y a eu du sale. Il y a eu du sale, il y a eu du sale. Ça a fait des dégâts. Du coup, on peut pas savoir combien on en a. Ouais.
Bon, la fumière est encore pas pleine, mais bon, les vaches, on n'a encore pas énormément de vaches qui sont adultes. On a 10 vaches adultes et 10 veaux, donc 10 genisses. Donc bon, disons que c'est normal que ça se salisse pas si vite que ça. En tout cas, je trouve l'idée bien sympa. Ah, dommage que ça pousse pas, c'est-à-dire. Dommage que le fumier ne spawn pas partout dans la case, mais en tout cas, c'est quand même pas mal déjà. On va pas s'en plaindre. C'est quand même déjà cool. C'est déjà cool, c'est déjà cool. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur la partie Bekuchi? On a 146 000 boules. Je vais attendre de. Enfin, je vais déjà regarder un truc avant. Mais je vais attendre de régler les semis avant de racheter d'autres champs. Vous savez, on a acheté les trois champs hier. Bon, du coup, ils sont encore pas récoltés. Il y en a un de mûr, celui qui est en soja. Et je vais attendre de mettre les trois ensemble. Enfin, de voilà, comment dire. De mettre en place comme il faut trois champs par trois champs avant d'en racheter. Et puis de toute façon, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Alors papy malheureusement qui pourra plus jouer à farming tant qu'il n'y aura pas de mage. Parce qu'il fait que de laguer. J'ai fait essayer plein de trucs. Voilà, la vérification des fichiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai fait virer ses mods. On a essayé plusieurs trucs, puis finalement j'y vais, écoute, désinstalle, réinstalle le jeu, puis ça change toujours rien. Enfin, maintenant il peut lancer le jeu, mais il a comme un cochon. Donc du coup, à mon avis, il va pouvoir attendre la prochaine mage. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Ok, bah ça c'est fait. Il y a un petit tas. Déjà, tranquillement. Hop, je vais fermer ce côté-là. Comme ça, je suis quitte d'y revenir. Et du coup, je voudrais regarder un truc avant qu'on aille continuer de moissonner. Déjà, faut que j'emmène la benne aussi. Et hop. Et hop. Et du coup, je vous mettrai probablement dans la journée. Alors, si j'y pense, parce que bien sûr, j'ai fait zapper. Je vous mettrai dans la journée un snap du chantier que je rattaque. Parce que j'ai fini celui que j'avais attaqué le dernier coup, il y avait les 6 arbres là. Et je l'ai commencé hier, mais j'ai juste brûlé un peu, pas grand chose. Je vous enverrai soit une photo, soit une vidéo du chantier que je vais me retaper là, qui est assez violent. Il est où le filature? Filature, il est là. Et le filature, il coûte 60 000. Okay. C'était juste pour voir. Il est où le classe? Il est là. Il est là, il est là. Du coup, on va aller tranquillement continuer de moissonner. Ce soir, normalement, on se retrouve en live sur Farming. Normalement, normalement. S'il n'y a pas de soucis, mais il devrait pas y en avoir. Et du coup, on poursuivra bah, là où on en est, hein, tranquillement. Je suppose que d'ici demain soir, j'aurai pas réellement avancé beaucoup, alors j'aurai peut-être pas joué du tout. Donc on se retrouvera à peu de choses près, pareil qu'à la fin de la vidéo, je pense, mis à part si Chris passe sur la partie demain, ce qui m'étonnerait parce qu'il doit bosser. Donc on verra. Mais là, il y a encore de l'enrubanné à faire dans nos champs. On a trois champs à dire, c'est vrai, maintenant. Et là, on va avoir de l'enrubanné à faire. Donc on va avoir du boulot ce soir. Entre les trois champs à ressemer, l'enrubanné à faire dans les trois champs là, va y avoir du taf. Oh, justement, tant mieux. Hein. Parce que comme ça, on est quitte de se traîner le huc dans un coin à rien foutre, à se regarder. Donc là, il y avait de la one dans celui-là. Enfin, il y a de la one dans quasi tous. Mais... Hop là, et ici, Roger. Toc et toc. Bon, pour ce qui reste, ça valait pas le coup de vider, mais j'étais à charge, donc j'ai pas le choix. Hein. Pas le choix, pas le choix. Et du coup, bah, je vais aller finir parce que là, ça passe. Et on va revenir vider tranquillement. Et après, on va basculer sur le 41. Je crois que c'est tout du. Normalement, si je me trompe pas, ça va être toute la one. Les trois champs là, parce qu'on les avait groupés avant. Et je crois que c'est Chris qui a dû les ressemer, donc il a dû mettre la one dans les trois.
Et puis pareil, bon, on aura du pressage aussi ce soir. Dit pressage, je vais regarder s'il faut qu'on garde la paille. Ou pas. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Du coup, la semaine pro, messieurs, dames, la semaine pro, on a la sortie de TDF 2022. Alors d'un côté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'un autre, j'ai déjà peur que ça me fasse rager comme un gros pourceau. Parce que s'il y a les mêmes problèmes que sur l'autre, on est dans la merde. Donc on va aller faire le 41 qui est le plus loin. Et après, on reviendra sur le 34. Et l'entrée du champ 30, donc ça c'est du soja qui est dedans, elle est juste là. Là au milieu. En fait, c'est l'entrée des trois champs. Tu me diras, celui-là, là, le 31 et le 32, on peut l'atteindre depuis la route là. Mais le 30, t'es obligé de passer par là, quoi. Si tu veux faire ça un minimum sans rouler sur les autres champs. Que j'ai branlé de mon chariot, il est là-bas. Ben, je pense que je ne vais pas. Ah si, je vais peut-être être obligé de me faire que ça décrocher, autrement je passerai pas sur le pont. Ben, je vais décrocher, c'est pas grave, y a pas. Ça prend pas 2 heures. Et la barre de coupe est aimantée, donc il devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Il y a une place là-bas pour mettre du bordel, on dirait, hein. J'ai jamais fait gaffe, quel sac. Si tu veux refaire une ferme ou du bordel. Si tu veux refaire un champ. Ah, j'ai vraiment décroché comme un sagouin. Heureusement que c'est aimanté parce que bon. J'ai vraiment décroché comme un gros dégueulasse. Hein. Là, je suis au sommet de mon art. Là. Allez, roule ma poule. Et du coup, le terrain, il donne quoi là? J'ai jamais fait gaffe, moi. 180 000. Ça, t'as une sacrée parcelle d'herbe. Hein. Enfin, je vais pas me lancer dans mes plans Q habituels à faire acheter ça pour créer une grosse parcelle dedans et ensuite faire que de l'enrubanner parce que bon, ça fait 2 maps qu'on a avancé. En fait, l'enrubanner c'est pratique parce que quand tu cheats pas, c'est le truc qui te fait avancer le plus vite. Là, en l'occurrence, je crois qu'on n'a encore pas vendu une benne de céréales depuis qu'on a commencé la partie. Ce qui fait que on a 29, 21, 4000. Ouais, on n'a pas fait tant de récolte que ça. Ah, on a 69 000 de paille. Comment c'est possible? On a stocké de la paille? Ah, mais c'est ce qu'il y a dans la case, my bad. C'est ce qu'il y a dans la case. Donc ouais, on n'a pas vendu une seule benne. En fait, c'est le chouchou qui vient. Enfin, c'est toujours là-bas que c'est le plus cher. Et je crois que le wagon, pardon, le wagon, il me semble que je réfléchis, attendez, je dis pas d'annerie. Le wagon, ça doit être 60 000, je crois. Donc voilà. Il y a les vignes aussi qu'on va rattaquer d'ici peu. C'est vrai que la dernière fois sur la plaine française, on les a juste plantées. Là, je ne sais pas où je veux les caser. Dans un gros champ, mais pas trop gros non plus. Alors, il y a ce champ là. En fait, il n'y a rien dedans. C'est un terrain vague, il n'y a même pas numéroté que chi. Il faudrait quand même un peu de place. Un peu de place, mais pas trop non plus. Du genre un machin comme le 39. Je pense que ça peut déjà être sympa. Après, faut voir en étant dedans. Parce que oui, effectivement, comme il y a très peu de rendement, il faut quand même en faire pas mal. Donc je sais pas. Ou alors plusieurs petits, hein. C'est vrai que je m'obstine absolument à mettre tout dans un champ, mais on achète plusieurs petits et puis on met dans les petits. Hein. Ça nous fera faire un peu de route avec l'outil. Ça peut être sympa aussi. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Bon après ça coûte excessivement cher, donc c'est pas pour demain à la veille non plus, mais je vais y penser. C'est vrai qu'on avait. J'avais dit que je voulais rattaquer les vignes, puis finalement sur l'autre, on les a juste plantées, puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et du coup on verra si elle. Parce que pour l'instant j'ai pas réellement de map qui m'intéresse sur le mode hub. Donc d'ici la fin de celle-ci, s'il n'y a pas de map qui nous intéresse, il se peut qu'on attaque peut-être la série création de map, ça peut être sympa. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Déjà il y a le DLC je sais même pas c'est quand. J'ai vraiment. Ah ouais, vous savez, je m'occupe pas réellement des informations ni quoi que ce soit. Merde, c'est quand qu'il sort le DLC Kubota? Je suppose qu'ils ont pas rajouté le matériel ni rien du tout. Et le prix est toujours le même. En fait, j'ai envie de le.
J'ai envie de vous présenter parce que la marque m'intéresse beaucoup. Enfin, surtout les pelleteuses, mais on n'a pas de pelleteuses. Mais comme on avait dit dernier coup, ils auraient pu en caler des pelleteuses. Hein. Pas forcément pour creuser parce que d'origine tu peux pas, mais tu as une pelleteuse avec une tête d'abattage. J'ai un copain qui abat pas mal de fois, c'est son métier. J'ai un copain qui abat, en fait, il a deux pelleteuses abatteuses. Et franchement, ils auraient quand même pu nous pondre ça, quoi. Ça aurait pu être sympa. D'autant plus que Kubota, ils font une chier de matériel. Chose que je savais pas, mais on s'est renseigné avec Chris. Justement, quand on a vu ce qu'il y avait dans le DLC et par rapport à la marque, parce que c'est une marque que je connais pas du tout. Mis à part les tracteurs, j'en ai déjà vu, mais voilà. Et en fait, ils font énormément de choses. Et je trouve ça assez aberrant. Le mot est encore. Je pense que le mot est encore faible. Je trouve ça quand même assez aberrant de récupérer une marque qui n'est pas la plus grosse, bien sûr. Mais tu récupères une marque et bah, je sais pas, tu fais un minimum au moins honneur, quoi. Un peu comme ils ont fait avec le DLC Classe, du coup. Parce que c'est ce qui représentera le mieux de ce qu'ils ont fait, je pense, en DLC. En tout cas, pour une marque, il y avait quand même pas mal de matériel en ce qui concerne Classe. Et le DLC coûtait 20 boules et on a compté la dernière fois, il y en avait pour moins de 50 centimes le mode, donc il y avait au moins le double, plus du double du matériel par rapport au prix. Et au moins ils ont bien représenté la marque dans un DLC puisqu'il y avait pas mal de matériel. Même s'il y avait encore d'autres trucs, hein, bien sûr, t'arrives pas au bout, il y en a tellement que voilà, mais ils avaient quand même sorti pas mal de trucs. Donc ça a été pas dire de la bonne pub pour Classe, mais ils ont fait honneur au fait qu'ils avaient récupéré Classe et que. Enfin voilà, tu vois, ils avaient fait un truc propre. Là en l'occurrence, ben, John Deere pour FS19. Même John Deere, ils l'ont dit que Genesis ils sont foutus la gueule du monde. Même c'est John Deere qui l'a dit, hein. C'est chez John Deere qu'ils l'ont dit. Et du coup, bon, ben, nous aussi on était d'accord par rapport à ça, mais même avant on le disait, ils ont récupéré l'une des plus grosses marques du marché. Des tracteurs comme ça, t'en vois partout. Enfin, il n'y a pas que des tracteurs, mais il y a du matériel de John Deere, t'en vois partout. Et ils ont mis des années et des années avant de pouvoir les avoir. Et qu'est-ce qu'ils ont pondu? Ils ont pondu 3 tracteurs dans le jeu d'origine et c'est tout, quoi. 3 ou 4, donc ils avaient vraiment chiadé. Et là, ils recommencent pour Kubota, en sachant que, voilà, justement, Kubota, ils font des tracteurs, mais pas que. Ils font des chargeuses, du coup, ça, on en a une, mais ils font aussi des pelleteuses, ils font aussi des pirouettes, des faucheuses, enfin, pas mal de bordel. J'ai pas tout relevé parce que Chris m'en a pondu une liste terrible, mais ils font pas mal de matos et je trouve ça quand même assez aberrant le fait que déjà tu vois un DLC qui est quand même cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Parce que 13 euros finalement c'est pas si cher que ça, mais le problème c'est que c'est ce qu'il y a dedans, ça vaut pas 13 boules. Si ça en vaut 5, c'est le grand max, tu vois. Peut-être à peine plus, oui, non. Si on reste par rapport au DLC Classe, où on disait moins de 50 centimes le matériel, justement, là, oui, il vaut 5 euros. Mais j'accepte de payer 15-20 boules pour un DLC, moi, ça me pose pas de problème. Si, justement, ça représente correctement la marque, tu vois. Comme le DLC Classe qu'on a payé 20 boules, où il y avait une. Il n'y avait pas de map avec, je crois pas. Mais le DLC Classe, on l'a payé 20 boules, mais c'était un DLC qui valait le coup. Donc moi, j'accepte de payer 20 balles à DLC, ça me pose pas de problème. Mais faut. De l'autre côté, tu vois, ça valait le coup, quoi. Tandis que là, bon, bah écoute. Voilà. Mais c'est un DLC qui m'intéresse. Enfin, c'est un DLC. C'est du matériel qui m'intéresse. Donc je vous le présenterai. On fera probablement une vidéo, un live dessus, ou qu'un live, ou qu'une vidéo, on verra. Ça me tente bien, mais malheureusement. C'est cher pour ce qu'il y a dedans. Et ça représente pas très bien la marque. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont rattrapé un sacré retard. Parce qu'à un moment, Kubota, comme c'est marque un peu pas de chez nous de base, c'était considéré comme du matériel qui était pas solide. Parce qu'ils faisaient un copier-coller sur du matériel qu'il y avait en Europe. J'ai vu une émission là-dessus où, pour être plus compétitif, en fait. Ils faisaient avec du matériel de moins bonne qualité, bien sûr. Mais pour avoir une idée de comment monter les tracteurs, apparemment, ils prenaient des photos de, j'en sais rien, moi, des John Deere ou des New Holland ou tout ce que tu veux. Et en fait, ils les reproduisaient à l'identique, mais sans réellement savoir ce qu'ils faisaient, en quelque sorte, à prendre entre guillemets.
et avec du matériel de moins bonne qualité, ce qui fait que les tracteurs coûtaient moins cher de base. C'était du copier-coller, mais en beaucoup moins bien, et du coup ça cassait beaucoup plus vite. Jusqu'à ce qu'il y ait eu, je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas su la suite. Mais derrière, ils ont commencé à faire du bon matériel en termes de pelleteux, justement. C'est là-dessus qu'ils sont les plus connus, hein. Et après, à ressortir les tracteurs qui, justement, ont envahi un peu l'Europe. Alors, pas encore partout, mais ils ont fait des chiffres assez corrects ces derniers temps. Et c'est une marque qui va finir par valoir le coup, hein. Donc, elle vaut déjà le coup, je pense, mais c'est une marque qui va pas faire que buter tout le monde, hein. On va pas aller là-dessus, mais qui va être équivalente au reste, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc. Moi, c'est vraiment une marque qui me tente bien. Mais justement, voilà, pour en revenir au DLC, bah voilà, c'est une nouvelle fois beaucoup trop cher pour ce qu'il y a dedans. Et je trouve ça extrêmement dommage de chiader une opportunité que t'as, parce que finalement, c'est comme une opportunité de récupérer une marque, même si c'est pas la plus grosse. Et je suis désolé, mais tu récupères une marque. Si t'allais la chercher, t'as qu'à te bouger le cul pour au moins y rendre honneur, quoi. Donc voilà. Bref, c'était un peu. Pas vous le savez, mais c'est mon avis par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est. Pas le dire 15 000 fois, mais c'est quand même débile. C'est assez absurde, même. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Écoutez, je bosse pas là-bas. Donc j'en sais rien. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de pas bosser là-bas, etc., etc., j'ai été invité à la FarmCon de leur part, d'ailleurs. J'ai une invitation gratis. Bien sûr, je vais pas y aller parce que j'ai pas le temps et je ne sais même pas où c'est. C'est en Allemagne. Où c'est que c'est? Où ça se déroule où cette cochonnerie là? Venez voir si je fais un retour ou un dose. Comment ça s'écrit déjà? Attendez. Ça va être en Allemagne, cette connerie. Putain, j'arrive pas à trouver, t'as déjà vu ça? Et j'arrive pas à trouver. Eh ben j'arrive pas à trouver, je suis pas foutu de trouver où c'est. Ben je sais pas où c'est. J'ai pas été foutu de trouver, je suis vraiment un niais. Enfin bref, il y a de fortes chances que ça se passe pas ici. Et du coup j'ai pas le temps d'y aller de toute façon. Donc le problème est réglé, mais j'avais une invitation gratuite, je me suis dit oupla. Oupla, comment c'est possible? Comment est-ce possible? Et du coup, merde, je te fais tomber. Et du coup, ouais, j'y serai pas présent, mais pour une fois qu'il m'a invité. Pour une fois. Alors, je sais pas comment ça se passe ce truc-là. Est-ce que c'est ouvert au public ou pas? Je suppose que oui. Si c'est ouvert au public, il y en a parmi vous qui y vont ou pas? Parce que malheureusement, je peux pas céder ma place gratuite. Sinon, je le ferais bien. Je le ferais gagner d'ailleurs. Mais je peux pas la céder malheureusement. Mais je sais pas si c'est un truc qui vaut le coup ou pas. Comme j'y suis jamais allé, je me suis jamais réellement intéressé. Je sais même pas si c'est un truc qui vaut le coup, si c'est nul à chier ou. Enfin voilà. Mais tu vois, ce serait justement l'occasion de leur dire que au niveau des DLC, ils foutent la gueule du monde, quoi. Parce que globalement, normalement, tu vas les rencontrer. Donc, ce serait pile-poil l'occasion de leur dire qu'ils se foutent la gueule des gens. Ah, je sais pas si je le tournerais comme ça au premier abord, tu vois, parce que bon, je suis quand même quelqu'un qui. Enfin, si je vois une personne que je ne connais pas, la première chose que tu dis, c'est bonjour déjà. Et d'essayer de lui dire de façon plus polie. Mais bon, c'est vrai que si tu te fais un peu. Remballé, il y a moyen de se tourner ça à ma façon personnelle, c'est-à-dire, t'en as pas marre d'enculer les gens. Et puis voilà. Mais
sais pas du tout comment ça se passe. Et je trouve ça d'ailleurs curieux que personne sur YouTube, de ceux qui sont invités et qui y vont, n'a eu l'idée de leur dire, bah tu te fous de la gueule des gens, quoi. Et pourtant, je suppose que tous ceux qui ont le badge bronze ou supérieur, il doit y en avoir un paquet maintenant. Donc je trouve ça quand même curieux que personne n'ait rien dit jusqu'à présent, surtout que la dernière en question, c'était déjà le cas, quoique c'était sur le 19 encore. Donc personne n'a peut-être dit, mais là cette fois-ci, il y a peut-être moyen. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a peut-être Bruno, il va peut-être l'ouvrir. À part s'il va pas, Bruno, il l'ouvrira peut-être, lui. En plus, justement, il est ambassadeur, donc bah, si les gens y ont remonté le truc, enfin, à part si tout le monde aime se faire entuber, mais si les gens y ont remonté le truc, normalement, il est censé aller leur dire. Bah bon, ça, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais c'est vrai que voilà, ce serait une bonne occasion, justement, de leur dire que. Faut soit baisser le prix, soit mettre plus de matériel, et faut surtout quand même remercier la marque d'avoir dit oui pour être intégré dans le jeu et peut-être faire un peu plus de matériel pour la marque en question. Bah bon, ça après, c'est comme ça. Bref, du coup, on se retrouve ce soir pour le live, messieurs, dames. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes dans la soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!